Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo que vous aimez beaucoup et que j'adore filmer aussi. Ça va être un retour de course qui va être assez imposant, surtout côté fruits et légumes. En épicerie, j'ai pas pris grand chose puisque vous l'avez vu normalement dans ma vidéo de la semaine dernière sur mes objectifs. Mon but est de vider à fond ces placards, donc d'essayer d'écouler ce que je ne mange pas habituellement pour faire du vide et du coup d'arrêter d'acheter des trucs secs, des conserves, etc. Il y en a un tout petit peu, mais vraiment vous verrez que c'est pas grand chose puisque je veux vraiment finir un peu tout ce qu'il y a sur mes étagères, tout ce qu'il y a dans mes placards juste en dessous. Comme d'habitude, on commence avec les fruits et légumes. Donc j'en ai pris pas mal déjà parce que je n'ai pas fait de course depuis que je suis rentrée de vacances. Donc je vivrais vraiment avec pas beaucoup de choses fraîches. Et aussi, je me rends vraiment compte que là, depuis que les températures descendent, je mange très peu de fruits ou de légumes, surtout de crus. Donc c'est vraiment pas terrible parce que ça... Peu importe la saison, il faut vraiment qu'on en mange. C'est très riche en vitamines, en oligo-éléments, en enzymes digestives aussi. Donc c'est vraiment quelque chose à ne pas louper, à ne pas mettre de côté, même s'il fait froid. Donc là, j'ai un petit peu refait le plein et vu que maintenant je vais être beaucoup à la maison, je vais pouvoir aussi cuisiner un peu davantage. Donc en termes de fruits, j'ai pris quelques agrumes, donc notamment quelques clémentines. J'aime beaucoup beaucoup les clémentines et j'en ai quasiment pas mangé depuis le début de la saison parce que toutes celles que j'ai mangées n'étaient vraiment pas terribles. Donc je croise les doigts pour celle-ci encore une fois, mais j'en ai très peu mangé alors que normalement c'est un de mes fruits préférés d'hiver. De même avec les oranges, là j'en ai pris deux, elles ont l'air vraiment très très belles donc je pense qu'elles vont être très juteuses. Donc j'en ai pris que deux histoire d'être sûre qu'elles soient bonnes avant d'en racheter plus lors de prochaines courses un peu plus petites. Parce que généralement je vous filme vraiment les gros gros pleins, mais pas forcément les petites courses que je fais pour acheter quelques fruits ou légumes par-ci par-là, parce que bah, y a rien à vous montrer, c'est trop petit comme course. Ensuite j'ai pris quelques bananes parce que j'en ai toujours besoin avec moi. J'ai aussi pris des pommes. Alors les pommes, vous savez si vous me suivez depuis un petit moment que ce n'est vraiment pas mon fruit préféré. Je n'en mange jamais cru, enfin, cru comme ça. Par contre, j'adore faire des pommes au four et j'en ai pas non plus fait encore depuis le début de la saison froide. Donc là, j'en ai pris 4 comme ça. De temps en temps, je pourrais me faire une ou deux pommes au four en guise de petit déjeuner ou de goûter. Ça fonctionne très bien et c'est vraiment super simple. Je vous avais mis ça, je crois, en photo sur Instagram. Il est assez vieux ce post, mais ça résume très bien la manière dont je fais mes petites pommes au four. J'ai aussi pris juste un citron pour faire des sauces avec, mais voilà, j'en consomme très très peu, mais pour faire des sauces ça peut être pratique. Et j'ai pris deux avocats pour des avocats de toast ou mes salades vu que je veux manger du cru avant chaque repas. Ensuite en termes de légumes, j'ai pris une toute petite aubergine, c'est pas un légume que j'aime énormément mais je compte faire des lasagnes végétariennes avec de la pâte, hein, pas les aubergines en guise de pâte, et dedans je trouve que ça passe bien parce que c'est assez confit, assez bouilli, donc je vais mettre de l'aubergine, j'en ai pris juste une petite. J'ai aussi pris deux courgettes, je pense qu'on aura une pour les lasagnes et une autre que je pourrais manger comme ça, juste en rondelles rapidement faire à la vapeur, chose comme ça. Je sais pas pourquoi je les mets là-bas, j'ai pu avoir de place. Ensuite j'ai pris quelques carottes, donc j'en ai pris 4 qui sont de taille moyenne. Donc pareil, les carottes, j'en mange très peu alors que j'adore les carottes râpées. Et je vous avais dit dans un précédent retour de cours, je ne sais plus si c'était le dernier, que j'achetais encore des carottes râpées de temps en temps en barquette parce que j'adorais l'assaisonnement et que j'adorais les carottes râpées. Sauf que j'ai mon robot ici, que maintenant je n'ai plus l'excuse du temps qui me manque puisque je vais être beaucoup à la maison. Donc je vais faire mes propres carottes râpées. Et c'est aussi pour ça que j'ai pris le citron parce que je sais qu'il y en a toujours dans les sauces pour les carottes. Donc n'hésitez pas à me mettre vos recettes de sauce vinaigrette en barre d'infos, en commentaire pardon. Ça pourra m'aider vraiment parce que je vais en faire peut-être juste une ou deux carottes pour commencer, pour travailler mon assaisonnement et après je pourrai en racheter plus régulièrement. Et j'en garderai une aussi pour faire des petits bâtonnets, pour faire du houmous, enfin pour tremper dans du houmous parce que ça m'évite de manger mon houmous avec du pain et c'est toujours mieux comme ça. Ensuite j'ai repris juste un oignon parce qu'il ne m'en restait qu'un et ça bah, j'en ai un peu partout donc c'est important d'en avoir à la maison. J'ai repris de l'ail, alors elle est minuscule mais je préfère pas en prendre trop à la fois parce que je m'en sers pas énormément et justement j'aimerais m'en servir plus. Donc j'en ai repris une et je pense que je ferai des petits cubes, vous savez, en écrasant de l'ail dans de l'huile d'olive à mettre au congélateur. On voit ça tout le temps sur Facebook et en fait c'est super astucieux parce que je pense que instinctivement ça me permettrait d'en utiliser plus. Donc je préparerai mes petits cubes après et comme ça je pourrais vous dire si je m'en sers plus ou pas, sachant que l'ail c'est excellent pour la santé, que ce soit pour le cœur, pour le cholestérol, pour l'immunité, pour débarrasser les parasites des intestins, etc. Donc ça vraiment c'est la saison pour user et abuser de l'ail, donc n'hésitez pas. Et moi je vais essayer d'en consommer plus aussi.
Et ensuite, j'ai pris aussi deux petites échalotes. J'en consomme très peu, alors qu'en fait, c'est super bon, vu que j'aime beaucoup l'oignon. L'échalote, c'est quand même un peu différent et j'aime beaucoup aussi. Et je me dis que dans des vinaigrettes, ça pourrait être pas mal. Et j'ai aussi pas mal d'algues à utiliser. Et j'aimerais essayer de faire mon propre tartare d'algues. Et je sais qu'on peut beaucoup mettre de l'échalote dedans. Donc voilà, j'en ai pris deux, ça se garde beaucoup. Je ne sais pas exactement encore dans quoi, mais j'en ai pris deux pour en avoir à la maison. Ensuite, j'ai pris des pommes de terre, donc je vais pas vous les montrer, mais j'en ai pris très peu pour pas qu'elles ne germent, parce que j'ai toujours tendance à en prendre beaucoup en me disant ça peut toujours servir, mais finalement ça se garde pas très très bien chez moi vu que c'est assez humide. Donc j'en ai pris quelques-unes, ça c'est très réchauffant et ça peut accompagner pas mal de plats. Et j'ai repris aussi des topinambours, je vous en avais parlé la dernière fois. J'adore ça. Par contre, là, elles sont un peu plus biscornues que la dernière fois, donc je vais un peu plus galérer à les éplucher. Mais c'est vraiment un légume slash féculent que j'aime beaucoup, qui ressemble énormément à l'artichaut en termes de goût et qui peut se manger autant froid que chaud. Et moi, je préfère froid avec une petite vinaigrette type béchamel entre la crème fraîche et du vinaigre. C'est vraiment super bon. Ensuite, j'ai pris un chou-fleur qui perd une feuille, qui est quand même assez gros. Le chou-fleur, c'est un de mes choux préférés, donc je peux en faire vraiment beaucoup de choses. En général, je fais soit des gratins parce que c'est hyper rapide et j'en ai pour plusieurs repas, soit je le mange cru aussi, trempé dans du houmous, c'est juste excellent. Donc je pense que j'en garderai une partie pour ça aussi, vu que j'ai prévu de faire du houmous. Je peux aussi le faire rôtir, et ça j'aime beaucoup avec une marinade avec de la sauce soja et du curry, pardon, c'est vraiment délicieux. J'ai jamais réussi à avoir l'aspect un peu croustillant pour faire comme des nuggets avec le chou-fleur, mais juste mariné comme ça et rôti au four, je trouve ça délicieux. Et qu'est-ce qu'on peut en faire d'autre? Moi c'est à peu près toutes les utilisations que j'en ai, c'est pas hyper varié, mais c'est les plats que j'aime, donc ça me suffit. Et donc j'en ai pris un gros. Et c'est tout pour les légumes, je crois. En termes d'épicerie sèche, j'ai seulement pris de la semoule, donc j'en ai pris un gros paquet parce que j'en mange beaucoup. J'ai pas prévu de faire de taboulé là parce que j'ai pas acheté de concombre, il n'y avait pas de tomates, c'est pas trop la saison de ces légumes-là, mais pourquoi pas pour un autre jour vu que j'en ai pris une sacrée quantité. Mais surtout parce que j'adore le couscous et que j'ai deux bocaux dans le congélateur, puisque quand j'en fais toujours en grosse quantité. Comme ça, bah après j'ai juste à me faire de la semoule qui est prête en 5 minutes top chrono et j'ai un super bon plat. Donc voilà, là j'en ai pris beaucoup parce que ça faisait plusieurs fois que j'y allait et qu'il n'y en avait plus en vrac. Donc là, je suis contente, j'ai fait ma réserve. Ensuite, normalement, je passe toujours au frais. J'ai vraiment pas pris grand-chose parce que, comme je vous dis, le but c'est de cuisiner davantage. J'ai seulement repris du tofu, donc c'est celui à la japonaise que je vous présente tout le temps. Et ça faisait vraiment un petit moment que je l'avais pas racheté, donc là, ça me faisait plaisir et je peux lui mettre un petit peu dans tout. Si je me fais des salades ou si je me fais du quinoa avec de la courgette par exemple, c'est vraiment quelque chose que je mets dans quasiment tous mes repas si ça manque un peu de protéines. J'ai pris, bah, vous le savez maintenant, non, hein, c'est un indispensable mes ravioles. Donc là j'en ai pris deux paquets parce que je les mange quand même assez rapidement et je me suis dit que là, quitte à faire de grosses courses, autant prendre deux paquets d'un coup. Et j'ai repris mes yaourts favoris. Donc j'ai pris du Yakoko et mon soja de framboise passion. Celui-ci, je le mange plutôt tout seul ou alors à la limite avec un peu de granola. Celui-ci, c'est vraiment plus pour cuisiner un petit déjeuner. Donc avec ma mixture habituelle avec mes graines, mon huile et mes fruits et ma purée d'oléagineux par-dessus. Ça faisait vraiment longtemps que j'en avais pas mangé parce que ça me disait plus trop rien là avec la saison froide. Sauf que bah, ça me permet de manger des fruits et du coup, bah, j'en ai repris exprès pour ça. Je vous ai pas montré d'ailleurs, mais j'ai aussi acheté une mangue. Je sais pas pourquoi je l'ai oublié, et en fait c'est vraiment, j'aime pas trop les agrumes mélangés avec ça. Je préfère les fruits qui ont du jus, et du coup bah c'est vrai que dans tout ce que j'ai acheté, il y a que la mangue qui s'y prêtera bien, donc j'ai pris ça pour en manger un peu. Et bah, ça me permet de manger des graines, de l'huile le matin, vraiment plein de bonnes choses. Donc faut que je me remette à ce type de petit déjeuner, il m'allait très bien. Ensuite, en termes d'épicerie, comme je vous le disais, il n'y a vraiment, vraiment pas grand-chose. J'ai pris deux sauces tomates, mince, en plus je me suis trompée, c'est pas très grave. Celles de la marque Delicia di Mama, parce qu'elles sont délicieuses. En plus, elles étaient en promotion, donc ça revenait vraiment pas très cher par rapport à la marque Naturalia, par exemple. Et je voulais en prendre une au basilic et une à l'aubergine, et finalement j'ai pris deux aubergines. C'est pas très grave, elles sont super bonnes toutes les deux. Donc d'avoir deux aubergines, ça ne me pose pas problème. J'ai aussi pris deux crèmes de coco puisque j'ai fini les miennes dans le dernier dalle que j'ai fait. Donc ça, j'aime toujours en avoir à la maison, comme de la crème soja, mais ça, j'en avais déjà. En termes de boîtes, j'ai seulement pris deux boîtes de petits pois parce que ce sont des légumes que j'aime beaucoup, beaucoup. C'est super rapide à réchauffer. Donc ça, j'adore en avoir à la maison. Et c'est le seul légume que j'ai racheté en boîte puisque bah, j'en ai quand même acheté pas mal en frais et c'est quand même plus intéressant.
Ensuite, on a quasiment terminé, j'ai fait le plein de boissons végétales, donc c'est pour ça que je me suis fait livrer, parce que j'en avais besoin et comme ça j'en ai pris pas mal, je suis tranquille. J'ai repris, ça ne vous étonnera pas, celle au riz et à la coco de chez The Bridge que je bois comme du lait normal, c'est-à-dire que je ne cuisine pas avec, c'est trop dommage. Et j'aime beaucoup me faire des boissons chaudes en fait avec tout simplement. Et j'ai repris aussi 2 briques de lait, enfin de boisson, pardon, d'avoine, puisque c'est plutôt avec celui-ci que je vais cuisiner, que ce soit pour des gâteaux ou même pour du salé, notamment les béchamels, choses comme ça. Donc si je me fais un gratin par exemple, je vais en passer pas mal. Donc c'est pour ça que j'en ai repris, j'aime beaucoup en avoir, ça sert toujours. Hop! J'ai pris aussi 2 tablettes de chocolat, je ne mangerai pas les deux rapidement, je vous promets, mais c'est histoire d'en avoir avec moi puisque je ne compte pas refaire des courses tout de suite, donc j'en ai quand même pris 2. Et après, j'ai quasiment terminé, il faut que je me penche un peu. Je me suis pris un pain intégral parce que j'en avais plus dans mon congélateur, donc moi je le fais trancher et je le garde au congèle. Comme ça, je réchauffe juste une ou deux tranches en fonction de ce que j'ai besoin. Et ça me sert notamment pour faire des toasts avec de l'avocat, avec du houmous et avec parfois du tartare d'algues quand j'en mange aussi. Et du coup, vu que je suis toute seule, bah forcément, un pain c'est beaucoup trop gros. Donc le fait de le mettre au congélateur, c'est vraiment parfait. Et le dernier truc non alimentaire que j'ai pris, c'est tout simplement mon dentifrice parce qu'il était bientôt vide. Et ça fait plusieurs fois que je vous le montre parce que c'est au moins le quatrième tube que je rachète. C'est celui de la marque Naturalia qui est à la menthe. Il y a 75 ml dedans, donc c'est assez gros pour un dentifrice. Et il est vraiment pas cher du tout. Donc si vraiment vous voulez passer à du bio, n'hésitez pas à passer par ce dentifrice-là parce que je pense que c'est moins cher ou le même prix que ce que vous trouvez en grande surface. Sauf que c'est une composition super clean, donc franchement, ça vaut pas le coup de s'en priver. Il est vraiment super mentholé, il mousse bien, etc. Je pense pas qu'il y ait une grosse différence avec les dentifrices du conventionnel, donc franchement, n'hésitez pas à tester pour vous faire votre propre avis. Donc voilà pour mon retour de course, j'ai l'impression qu'il a quand même été un peu moins imposant que ce que je vous montre d'habitude, vu qu'il n'y a vraiment pas eu beaucoup de frais et d'épicerie, contrairement à d'habitude. Mais là, j'ai beaucoup beaucoup de choses pour cuisiner, donc peut-être que ça me permettra de vous mettre quelques recettes sur Instagram, pourquoi pas, ou carrément de vous filmer des vidéos, une journée dans mon assiette, ce genre de choses. Ce sont des vidéos que j'aime beaucoup beaucoup regarder, mais qui sont toujours un peu impressionnantes pour moi à faire. J'en ai déjà fait quelques-unes, mais pas beaucoup, et c'est vraiment quelque chose que j'aimerais développer davantage sur cette chaîne-là, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez les voir lorsqu'elles sortiront. Et en attendant, bah écoutez, on se retrouve surtout sur Instagram où je pourrai vous parler plus quotidiennement. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine sur YouTube. Bye!